Tiens, un livre qui ne voulait pas être lu. Qu'est-ce que c'est que ça? Avertissement. Ceci est l'histoire du livre qui ne voulait pas être lu. Un livre qui fait tout ce qu'il peut pour qu'on le laisse tranquille. Tiens. Il intervertit les mots. Il se referme. Et tout à coup, oh! Un crocodile. Un album incroyablement vivant, indiscipliné, magique, écrit par un petit bonhomme du drôle de nom de David Sundin. Alors, le livre qui ne voulait pas être lu. Et bon, on va essayer quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Lire l'histoire d'un livre qui ne veut pas être lu peut se révéler très difficile, voire quasiment impossible. Vous feriez peut-être mieux de choisir un autre. On va essayer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Waouh! Il était une fois un enfant qui n'arrivait pas à dormir. Il demanda alors à une grande personne de lui lire un livre. La grande personne répondit: Avec plaisir. Elle a l'air de regretter, car l'enfant avait déniché un livre très particulier, un livre qui ne voulait pas être lu et qui faisait tout son possible pour mettre des bâtons dans les roues des lecteurs. L'histoire de ce livre commence maintenant. Attention, accroche-toi bien, c'est parti! Vroom, 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 vroom. Dès la première page, le livre se transforme en volant. La grande personne dut se mettre à conduire. La grande personne tourne à droite, vroom, puis à gauche, vroom. Tut, dit la grande personne en appuyant sur le klaxon. Tut. Mais là, de nouveaux mots firent leur apparition dans le livre. Des mots que personne n'avait jamais entendus auparavant. Il devint soudain très difficile de lire le livre. Il y avait par exemple un crapaud qui fantait des darfouilles. Des darfouilles, vraiment? Oui, des darfouilles. Jamais la grande personne n'avait lu un livre aussi saugrenu. La grande personne jeta un coup d'œil à l'enfant pour voir s'il était endormi. Non? Bon, il n'y avait plus qu'à poursuivre la lecture. Quand le chien eut avalé les troquettes, ils voulurent se louper de la monfiture. Ils eurent de la monfiture plein la flurbe, s'agluficotèrent et s'embarbouillèrent. Abracadabrouf, l'urgitouf patapouf, pip 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 youpla, galit frit toupla. La grande personne poussa un grand soupir. La grande personne se dit qu'elle aurait préféré lire un livre ordinaire, avec des mots ordinaires, un livre qui voulait bien être lu. C'est alors que le livre se changea en aile. Et se mit à flapper en l'air comme un oiseau. La grande personne dut l'attraper pour l'empêcher de s'envoler par la fenêtre. Hop, on l'attrape! Flap, flap, au secours! La grande personne dut s'allonger sur le livre et compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis elle regarda si le livre avait arrêté ses bêtises.
Pas du tout, car alors le texte se mit à rétrécir, rétrécir et encore rétrécir. C'est à peine si on pouvait parvenir à lire le texte. Il fallait coller ses yeux à la page. On n'a pas l'air malin quand on lit comme ça. Et c'est alors que le texte se mit à grandir, 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 grandir. Et grandir. Le livre, tu te calmes tout de suite, hein, ça suffit, hein. Tout à coup apparut une image de lapin qui n'avait rien à voir avec la choucroute. Ben oui, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Coucou, dit la grande personne au lapin. Ha ha ha, la grande personne était tombée dans le piège. Ce n'est pas un vrai lapin, c'est juste une image. Gousi gousi, dit la grande personne en caressant l'image du lapin. Gousi 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 gousi. Puis la grande personne chuchota le nom du lapin à l'oreille de l'enfant, si bas que personne ne l'entendit. Ensuite, il était écrit que le livre était terminé et qu'il était totalement défendu de tourner les pages. Ah ah, c'est défendu, alors on va le faire. Mais la grande personne et l'enfant le firent quand même. Le livre commença alors à se refermer. Oh non, le livre se referme. Retiens-le, 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 retiens-le. La grande personne dut retenir le livre pour qu'il ne se referme pas. Allez, encore un effort. Retiens-le, 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 retiens-le. C'est alors que la grande personne se mit à entendre de la musique que nul autre ne percevait. Au lieu de lire, la grande personne se mit à chanter. La 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 la. J'adore lire ce livre. C'est le meilleur livre que j'ai jamais lu. Pourquoi l'enfant ne peut pas s'endormir? Parce que je chante. Ouh là 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 là. Comme je chante bien, dit la grande personne. L'enfant se contenta de secouer la tête. Non, 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 non. Mais attendez, le livre n'est-il pas un peu chaud? Oh non, le livre est en feu! Aïe, 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 aïe! Ce bout de page me brûle les doigts. Ouf, 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 ouf! Ouille! Celui-là aussi. Ouille, ouille, ouille! On doit souffler. Aide-moi à souffler, dit la grande personne. Ouf! Bravo! Le livre ne peut pas nous laisser tranquilles un peu maintenant, se dit la grande personne. Il va peut-être ressembler un peu plus à un livre ordinaire. Un livre qui consent à être relu? Oh, pas du tout. Car alors, les mots commencèrent à disparaître du livre. La grande personne dut se creuser les méninges pour combler tous les trous. Félicitations. Il était une fois une marchande qui allait au marché, mais en chemin, elle croisa alors un bonjour vert qui essaya de lui vendre quelque chose, mais ça se passa. Attendez, ça ne sentirait pas un peu le roussi ici? Ça veut dire que ce n'était pas le crocodile qui a vendu. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. On est obligé de continuer, demanda la grande personne. Oui, répondit l'enfant. Au secours! Tout à coup, tous les R se transforment en U. Ce n'est pas Tweedle, se dit la grande personne. Imagine qu'un crocodile surgisse et qu'il faille crier. Go, crocodile! Si ça se trouve, les gens ne comprendront pas ce que je dis. Et le crocodile les avoua tout cuit. Twist, vraiment twist, déprimant, très déprimant.
Mais enfin, après l'image d'un chapeau, une fois que la grande personne se fut donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, se fut creusé la cervelle, remué les méninges, eut chanté, soufflé, lu, conduit, et se fut donné encore du mal, l'enfant dit « Bon, maintenant je veux dormir. Bonne nuit !» Et la grande personne dit « Bonne nuit, mon trésor !» Et le livre était fini. Vraiment? Non! Bien sûr que non. Le livre n'était absolument pas fini. Ha 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 ha! On les a bien eus. Livre, tout à coup, ce qui les rendit, se mirent à courir. Les mots du partout, très difficiles à lire. Ça ne veut rien dire, vous êtes d'accord? Ensuite, le texte forma un rectangle. La grande personne fut obligée de tourner le livre pour réussir à lire. Comment on fait? Le livre se retrouva d'abord comme ça, puis comme ça, maintenant à l'envers. Mais va savoir dans quel sens il faut lire. Le texte continua jusqu'à ce que le livre ait effectué une rotation complète. Encore un tour. Après cela, le livre était vraiment terminé. L'enfant et la grande personne durent promettre de ne le relire sous aucun prétexte. Il faut dire que le livre était un petit peu contrarié d'avoir été lu contre son gré. Il devait à présent se reposer. D'ailleurs, comment s'appelait ce lapin déjà? Demanda la grande personne. Vous en rappelez? On l'a dit tout doucement. Puis, la grande personne dit à l'enfant, « N'oublie pas que tu es formidable, l'avenir t'appartient. Je t'aime, dors bien. Bisous !» Une fois l'enfant endormi, la grande personne cacha le livre pour que l'enfant ne le retrouve pas le lendemain soir. L'avenir nous dira ce qui suivra.